sommaire cette semaine, quelques-unes des meilleures campagnes primées lors du Crystal Festival, dernier round publicitaire de l'année qui s'est tenu du 14 au 17 décembre, avec dans l'ordre une campagne indienne éducative, une campagne africaine explosive et une campagne française olfactive. La grande gagnante du Crystal Festival, c'est Ethel. Priya, tumne meri wo green shirt dhoi kyun nahi yaar? Une campagne pour Ariel visant à changer les mentalités sur l'épineuse question de la lessive dans une société indienne encore très patriarcale. Pour inciter ces messieurs à partager le fardeau, le lessivier a commencé par modifier son packaging. En incluant des instructions pour les garçons. Puis il a demandé un coup de main aux stars locales du cricket. Il y a aussi eu un accord avec des marques de fringues pour qu'elles intègrent le message sur leurs étiquettes. Et enfin, en février dernier, Ariel diffusait ce spot sur les internets. Une lettre ouverte d'un père à sa fille pour s'excuser de l'éducation sexiste qu'elle a reçue. Meri choti si guliya. Kitni badi ho gayi. घर-घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। I'm so proud and I'm so sorry. Sorry कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। Sorry कि जब तुम घर-घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है। पर कहता भी कैसे? और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। Résultat, un film vu près de 20 millions de fois sur YouTube et Facebook et des ventes en augmentation de 60% pour Ariel. Mais l'histoire ne dit pas si ce sont les hommes ou les femmes qui ont le plus acheté. Tumhara, papa. Ce spot pour Guinness a été élu plus beau film de pub de l'année au Crystal Festival. Diffusé sur le continent africain, c'est une véritable ode à la culture locale. À croire que l'irlandaise Guinness serait en fait africaine. Et pour cause, une des bibines les plus populaires du continent, la Guinness est même considérée comme la bière nationale dans des pays comme le Nigeria. Demandez à n'importe quel Nigérian dans les rues de Lagos, il vous dira que Guinness est une marque nigériane. D'ailleurs, les ventes de la célèbre Stout en Afrique dépassent largement les ventes en Irlande. Alors, comment en est-on arrivé là? Il faut remonter au temps des colonies. Dès le début du 19e siècle, Arthur Guinness II exporte son breuvage en Afrique. En 1960, le Nigeria obtient son indépendance de la couronne britannique. Deux ans plus tard, une brasserie Guinness s'installe à Lagos. Aujourd'hui, il y a 13 brasseries Guinness en Afrique, faisant de cette bière un véritable produit africain. Reste que si la bière vient d'Afrique, la pub, elle, a été conçue à Londres. Comme quoi, le post-colonialisme a la dent dure. L'agence la plus primée de l'année au Crystal Festival est française, elle s'appelle Buzzman et doit beaucoup à cette campagne pour le jeu vidéo South Park, l'anal du destin. Best immersive experience ever. In South Park the Fractured But Whole, you are playing the new kid in town, Nihiro, and one of your special abilities is really the power of your
S. The only way to really help people experience that strength is to really make sure that they can feel it. And that means getting really close. It was exactly as if someone had farted right in my face. I was like, holy shit, is this a real fart? Es gehört zu meiner täglichen Arbeit, meine Nase zu benutzen, um Parfums zu entwickeln. Doch die Suche nach dem ganz besonderen Duft für Ubisoft, die war alles andere als einfach. Das ganze Team hat hart daran gearbeitet, unser Parfums zu kreieren. Ich habe mehr als 1000 Fürze gerochen, bevor es mir endlich gelang, den ultimativen Furz künstlich herzustellen. Si ce produit ne sera pas commercialisé, il existe néanmoins vraiment et a été produit en petite série. Depuis août dernier, plus de 10 000 chanceux, ou pas, ont pu le tester sur les stands Ubisoft des différents salons de jeux vidéo à travers le monde. Bref, la bonne nouvelle, c'est que vous risquez pas de le trouver sous le sapin.